Bonsoir, shérif. Yes, Niel Bakala. L.O.P.S. Ouais, on dit que tu es actuellement à la une parmi les artistes au centre culturel français. Bah, on va parler du centre culturel français, parce que le centre culturel français ne fait pas le Congo. Il faut plutôt parler que ce soit à la une, point barre quoi. Parce que le centre culturel français ne fait pas ma vie à tout court. Voilà quoi, sinon je me limite quoi. Donc je pense que j'essaie de me battre. Le centre culturel français, peut-être pourquoi, parce que actuellement à Brazzaville, c'est l'unique salle, je pense, dont on retrouve les normes vraiment internationales. Bon. Donc, qu'elle soit petite, ok, c'est vraiment une rotule quoi. La majorité des artistes se retrouvent là-bas et donc voilà quoi. Bon, on dit que actuellement le hip-hop congolais est mort. Quelles sont tes impressions? Ben, du point de vue pub, on peut dire oui. Mais dans les maisons, les gens continuent à faire le hip-hop quoi. Dans les maisons, dans les quartiers, vous voyez, dans les bars, dans... le hip-hop continue à vivre. C'est vrai, d'une façon internationale, c'est pourquoi on dit que le hip-hop congolais est mort. Mais je pense qu'il n'est pas mort, parce que s'il était mort, je serais aussi mort. On ne parle peut-être pas aujourd'hui, par exemple, sans excès de zèle, ok, le shérif Bakala. Voilà, donc si shérif Bakala vit, ou si d'autres artistes encore du Congo Brazzaville vivent, donc d'autres artistes de hip-hop, cela veut dire que le hip-hop congolais vit. Et en quelques mots, qui est shérif Bakala? Ben, shérif Bakala est un artiste made in Congo qui évolue aujourd'hui à la base hip-hop. Mais aujourd'hui, je vois plus le côté pop folk music. Voilà le concept que je me suis créé dans ma musique quoi. À la base, je suis hip-hopper, rappeur, chanteur et tout. Voilà. Mais maintenant, j'essaie d'agencer dans mon style les instruments réellement sur scène, les jouer réellement avec les langues de chez nous bien sûr, le brassage culturel. Et avec toutes les langues, avec tout ce que je peux avoir comme inspiration traditionnelle et moderne, je les agence. Voilà, c'est ce que fait Shérif Bakala, premier. Et l'actualité de Shérif Bakala? Actualité, aujourd'hui on est au Mémorial Savonneau de Brazza. Je preste avec pour les premières parties de Dynamax. C'était hier au CCF, Centre culturel français. Aujourd'hui nous sommes au Mémorial Savonneau de Brazza. Et tout dernièrement, le 9 octobre, j'étais aussi en spectacle au CCF et tout. Et d'ici décembre, début décembre, j'ai aussi des spectacles qui sont déjà programmés. Okay. Centre culturel français, Savonneau de Brazza, lycée et tout. Donc il y a un calendrier qui est déjà fait et tout pour décembre par exemple. Et voilà, je continue à faire mon truc. Et entre temps, Shérif Bakala premier, non seulement les concerts, et à la finition, disons, je suis à la finition de mon album, que j'appellerai d'ailleurs Ici, ICI, trois lettres simplement, où je parle, dans Ici, je relate des quotidiens africains en temps normal. Et là-dedans, on va retrouver des sonorités vraiment africaines. Je n'ai pas voulu aller un peu par rapport à ce que les autres hip-hop font, la sample, les musiques et tout. Je voulais amener une certaine couleur, ok? Mais il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a l'ajouter et le retrancher. Tout ce qu'on fait était déjà fait, mais seulement on essaie d'agencer, on essaie de changer le couleur quoi. Voilà, donc l'actualité actuellement c'est ça, voilà. Et on a un peu ma réponse.